J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour la suite de la précédente vidéo. Si tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite à la visionner avant de commencer celle-ci. Nous allons donc à l'expo vente. C'est une petite expo. J'ai été invitée par une connaissance qui fait des liqueurs, de mélange de liqueurs avec des fruits, et j'avais vraiment envie d'y aller pour voir ce qu'elle fait, pour l'encourager tout simplement, et je suis contente aussi de vous amener avec moi. Allez, c'est parti. Derrière les palmiers, vous pouvez voir la mer. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, ce n'était pas du tout possible de voir la mer quand vous êtes sur la route. Parce que là, je vous filme la vidéo de ma voiture. Hein. Et c'est juste effrayant de voir à quelle vitesse la mer gagne de plus en plus les côtes. Les côtes des villes du sud du Togo. Il y a même des familles qui sont obligées de quitter leur seule habitation pour pouvoir fuir ce phénomène. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cette érosion côtière, mais il y a avant tout une cause humaine, et c'est juste dégueulasse. Je suis désolée, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. De voir toutes ces populations qui se trouvent démunies face à ce phénomène. Je vais fermer cette petite parenthèse. Je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais pour cette vidéo, on va aller à l'expo, on va aller dans la légèreté et on va commencer la visite. Nous sommes arrivés et alors c'est la deuxième fois que je viens ici. Et je me rappelle la première fois, j'étais éblouie par la décoration. Elle est très simple, mais c'est justement cette simplicité-là que j'ai beaucoup aimée. Alors là, nous sommes dans l'entrée et j'adore le mélange de couleurs. On a beaucoup de vert que j'apprécie énormément. On a un peu de bleu et de terre cuite. Alors, c'est un bar-restaurant qui s'appelle le Beach. Et c'est un endroit très cosy, on se sent très bien. Il se trouve à la frontière entre le Ghana et le Togo. Je vous présente donc la marque de ma copine. C'est une marque de liqueur, comme je vous l'ai déjà dit, qui fait de mélange à base de sodabi et des fruits. Alors, c'était la première fois que je découvrais ces produits et j'étais vraiment époustouflée par le packaging. Alors, regardez-moi ça. Mais c'est tellement beau, c'est très bien fait, tout est bien choisi avec précision, avec harmonie. J'adore la couleur rouge, j'adore les courris qui sont inscrits dessus, j'aime beaucoup les toiles de jute, j'aime beaucoup aussi les dessous de verre. Tout est bien fait, vraiment on adore ça, ça fait authentique, j'aime beaucoup, j'adore tout simplement. Là vous avez le petit coucou de mon cousin qui a eu la gentillesse de m'amener à l'expo. J'ai aussi fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Essie, qui aime beaucoup dessiner. Elle fait des dessins de manga qu'elle commercialise sur des t-shirts. Elle est ghanéenne et togolaise, mais elle a plus vécu au Ghana qu'au Togo. Du coup, elle parle pas bien français ni minan, mais elle a quand même voulu nous présenter ses produits. Ah, c'est Essie qui fait du coup.
Haïti. Yes. Yes. Because she speaks in English. Huh? Oh, speak in English. No, speak in French. French is fine. Okay, so ici, je vends des t-shirts, manga. D'accord. C'est bien fait, vraiment. If you are teacher, yes. Any song you want? I don't know. Anything. I don't know which one I want. Okay, I should sing. Yeah. Okay. Là, nous sommes sur une marque d'épicerie fine, mais attendez, prenez une seconde pour admirer le packaging. Il est tellement beau. Là, j'ai fait au moins 4 expos. Je vous ai filmé 2, mais j'en ai fait au moins 4. Et tous les produits que j'ai vus ont un beau packaging. Et je tiens vraiment à tirer mon chapeau, hein, à dire bravo à toutes ces personnes qui sont autant investies dans la fabrication du produit en lui-même que dans le packaging. C'est tellement important. Et finalement, ce qui nous pousse à vouloir acheter un produit avant même de l'avoir essayé ou de l'avoir goûté, c'est son emballage. C'est vraiment cette valeur ajoutée qu'on aime avoir, hein, qu'on aime acquérir. Et je suis tellement contente que les entrepreneurs togolais font tout pour avoir cette belle finition, tout simplement. Et je suis tellement fière. Bravo, 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 bravo. Je vous présente ma copine et son associé qui sont à l'origine de la marque Neo Licor. Ils ont aussi fait un mélange des fleurs d'hibiscus avec beaucoup d'épices et c'était très très bon. C'est vrai que le jus de bissap, le jus qui est fait avec des fleurs d'hibiscus, est très connu au Togo, mais après ça dépend vraiment du mélange avec lequel les fleurs sont faites, et c'est vrai que ce mélange-ci était très très bon et ça changeait de ce que j'avais l'habitude de boire. J'ai découvert une très jolie marque qui propose des produits pour les bébés et les mamans. J'ai vraiment été attirée par les motifs, les couleurs du wax. Et c'est très sympa, ce sont des produits très pratiques. J'en ai profité pour prendre des lingettes démaquillantes réutilisables que je vous montrerai dans une très prochaine vidéo. J'ai oublié le nom de la marque, je vous la mettrai dans la vidéo. Voilà, c'est la fin de celle-ci. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite dans une très prochaine vidéo. J'ai tenu à vous filmer, à vous montrer le coucher du soleil vu d'ici qui est juste sublime. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour le voir. Je vous dis à très vite.
la libella, 8h à 18h. À cause de coronavirus.